Salut les pilotes, allez, on se retrouve pour la deuxième série, deuxième vidéo sur My Team F1 22. Alors, c'est le deuxième GP, je vais vous expliquer vite fait, il y a pas mal de petits changements, notamment au niveau de la difficulté. Alors, chose que vous avez peut-être vu sur la première vidéo, j'ai fini troisième du GP, du premier Grand Prix, mais forcément, c'était pas forcément le côté réaliste de ce que je voulais donner, parce que voilà, je tâtonnais avec la difficulté et j'étais à peu près à 40%. Là, je suis monté à 70%, parce que forcément, en démarrant My Team, c'est impossible de finir troisième. Donc vous allez voir, effectivement, c'est beaucoup plus dur. Je crois que je termine dernier au qualif. Enfin bref. Alors il n'y a pas d'évolution majeure en termes de sur le My Team, en termes d'évolution de la voiture. Je n'ai rien à changer. Je vous montrerai simplement quand il y a des changements, quand c'est important. Là pour le moment il n'y a aucun changement, donc pas besoin de passer du temps sur le My Team. On va se cantonner ici à la course. Donc comme d'habitude mi-course en termes de volume de jeu sur la carrière. Et par contre je vous montre effectivement que ce qu'il y a de plus intéressant. Donc quid, à savoir s'il va y avoir un arrêt au stand, de la pluie, des accidents, la voiture de sécurité. C'est tout l'intérêt de ce My Team et de ce F1-22. Je vous laisse regarder ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la course, si vous jouez, où vous en êtes. Enfin bref, on interagit comme d'habitude. Et moi, je vous laisse avec cette course. Salut. Stratégie à deux arrêts. Allez, pas trop mauvais départ, on va essayer de pas trop se faire distancer. Pas trop mal ce départ, essaie de gagner des places maintenant. Ça vit très très technique, hein. Très honnêtement j'ai eu du mal à l'apprendre. Grosse usure des pneus ici. Ouh, je sais pas si vous l'avez vu, mais alors je l'ai perdu, mais violemment. J'ai lâché les gaz, j'ai bien cru que j'allais finir au tas. Alors, vitesse de pointe chez la rue. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
son double. Active le mode dépassement. Allez, on a le DRS. On est derrière aussi. Ouh là là. Voilà, je le loupe souvent ici. Complètement loupé. On a perdu qu'une place, on est descendu d'une place. Impeccable, très belle manœuvre. Allez. L'écart avec la voiture qui se précède est de 2,3 secondes.
Allez, maintenant, on va pouvoir se battre. On a le DRS. Un peu limite, j'avoue. Allez, P15, on va reprendre un DRS ici. On va se faire Ricardo au freinage. Oh, ça sert là, Ricardo, là, oh. Pas joli, ça. C'est ma faute, j'ai voulu anticiper, heureusement pas de dégâts, heureusement. On est quasiment déjà à la mi-course. Quelques infos à propos de Pourchaire, il rencontre des soucis mécaniques. Approchons de la fenêtre d'arrêt au chambre. Tu chausseras des gommes dures. Allez, on laisse la place. Bravo, tu viens de gagner une place. Ouais, je me suis fait attaquer, j'ai complètement oublié de tourner. Grosse erreur ici. J'étais plutôt en train de défendre. Les
d'écart avec la voiture de derrière est de 2,0 secondes. Alors on est un peu à la ramasse là, on est 17ème. Allez, ça commence à rentrer. Voici l'écart avec notre coéquipier. 3,0 secondes. La voiture de derrière vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. C'est pas bon. Le rond avant gauche qui est endommagé. Ah, j'ai plus les restes déjà, ouais. Mais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Allez, on va rentrer. Ah, je suis au large de partout.
notre stand. On rentre à deux en même temps, magnifique les gars. Allez, on change l'aileron, les pneus. Cet arrêt a pris plus de temps que souhaité. Tu m'étonnes. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Voilà, cette fois-ci, on a le DRS. Deuxième zone ici. Ouais, ça devrait être facile ici. Lui est sur la défensive. Allez, c'est Stroll là-bas devant. Sait-on jamais, il va nous rester un tour après, je crois. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,9 secondes. Près de 4 tours de carburant. Ah, il est pas si loin, hein. Pour le dernier tour. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Non, pas possible. Bon, on termine 18ème, c'est ma place, hein. C'est du My Team, je démarre ma carrière, ma saison. C'est plus logique que de finir 3ème par rapport au premier Grand Prix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette course dans les commentaires. Et puis nous on se dit à la prochaine. Tchuss! Examinons l'évolution du classement des pilotes. Grâce à sa performance du jour, Max Verstappen est désormais en première place du championnat des pilotes.